C'est l'heure d'aller au lit 6. As-tu vu l'heure qu'il est? C'est l'heure du pyjama 6. As-tu vu l'heure qu'il est? Brosse tes dents et tes cheveux et fais un câlin à ton nounou. C'est l'heure d'aller au lit 6. La lune est là, prépare-toi pour dormir. Que met-on pour aller au lit? Notre pyjama favori. Qu'avons-nous ensuite sur notre liste? Se brosser les dents et les cheveux. Attrape ta brosse à dents, brosse bien, vite et doucement. Puis brosse-toi les cheveux et tu es prête pour dormir. C'est l'heure d'aller au lit 6. As-tu vu l'heure qu'il est? C'est l'heure du pyjama 6. As-tu vu l'heure qu'il est? Brosse tes dents et tes cheveux et fais un câlin à ton nounours. C'est l'heure d'aller au lit 6. La lune est là, prépare-toi pour dormir. Pyjama, cheveux et dents, c'est fait. C'est maintenant l'heure de lire une histoire. Histoire merveilleuse, venue de loin. Des châteaux, des rois dans des contrées magiques. Et après le dernier conte, on se dit bonne nuit. On est prêt pour aller au lit. C'est l'heure d'aller au lit 6. As-tu vu l'heure qu'il est? C'est l'heure du pyjama 6. As-tu vu l'heure qu'il est? Tes dents brillent, tes cheveux aussi. Tu serres bien fort ton nounours. Et avec un bisou de bonne nuit, fais beau rêve, tu es prête pour dormir.
faisons une pizza, nous avons si faim. Il faut la pâte, la sauce, le fromage et des pépéronis, s'il te plaît. Ajoute-les au-dessus, mon qui s'en lèche les babines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pizza, pizza, faisons une pizza. Pizza, pizza, une pizza au pépéroni. Pizza, pizza, faisons une pizza. Attrape tes pépéronis et fais une pizza avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pépéronis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pépéronis. Où sont les pépéronis qui étaient là? Monkey, tu les as tous mangés? Tu n'avais pas le droit. Monkey, monkey, nous voyons bien ton visage barbouillé et ton ventre plein. Pizza, pizza, faisons une pizza. Pizza, pizza, une pizza au pépéroni. Pizza, pizza, faisons une pizza. Attrape tes pépéronis et fais une pizza avec moi. Maintenant, coupons la pizza. Allez, papy, c'est aussi facile qu'un, deux, trois. Compte chaque part et pas de triche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pizza, pizza, faisons une pizza. Pizza, pizza, une pizza au pepperoni. Pizza, pizza, faisons une pizza. Attrape tes pepperoni et fais une pizza avec moi. La chambre est en désordre, regarde par ici. Ramasse ses livres, c'est si facile. Rie et range, ha ha ha. Poppy est là pour t'aider. Remets ses livres en place, s'il te plaît. Monkey désordonné, tu es un petit ouistiti pas ordonné. Ramasse ses La chambre est en désordre, regarde par ici. Ramasse ses puzzles, c'est facile. Rie et range, ha ha ha. Poppy est là pour t'aider. Remets ses puzzles en place, s'il te plaît. Monkey désordonné, tu es un petit ouistiti pas ordonné. Ramasse ses maintenant l'heure du thé. Bonjour Poppy, que fais-tu? Bonjour Monkey, je me prépare pour la journée. Veux-tu te préparer avec moi? Oui! Moi aussi! C'est comme ça que tu te brosses les dents. Brosse les dents, brosse les dents. C'est comme ça que chaque jour tu te brosses les dents. C'est comme ça que tu te peignes les cheveux. Peigne-toi, peigne-toi. Non, Monkey, n'utilise pas une brosse à dents pour tes cheveux. Utilise un peigne. Oh, oui. C'est comme ça que tu te peignes les cheveux. Peigne-toi, peigne-toi. C'est comme ça que chaque jour, tu peignes tes cheveux. Parfait, il est temps de se nettoyer le visage. Il nous faut du savon. D'accord. C'est comme ça que tu te savonnes, 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 te savonnes. Oh là là, Monkey. Il y a trop de savon. Comme ça.
C'est comme ça que tu te savonnes, te savonnes, te savonnes. C'est comme ça que chaque jour tu te savonnes les mains. C'est comme ça que tu te nettoies le visage, te nettoies, te nettoies. C'est comme ça qu'on commence la journée, sortons et jouons. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant je connais mon alphabet. La prochaine fois, chante avec moi. Compte avec Monsieur Cookie. Salut, Sis. Bonjour, papy. Quel est ce bruit? Oups, j'ai mon ventre, j'ai faim. Moi aussi. Bonne idée, Froggy. À table. Mangeons. J'ai des cookies, combien en vois-tu? J'ai des cookies, combien en comptes-tu? 1, 2, 3, 4, 5. Je veux voir, je veux voir. Et 1, 2, 3, 4. Combien de cookies y avait-il avant? 5. Mais où est donc parti l'autre cookie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est sur la table? Est-ce qu'il est sous la table? Et Monsieur Cookie, c'est toi qui l'as mangé? J'ai mangé un cookie. Je devais bien en manger un. Il avait l'air si bon. Et il était ici. Je n'en ai jamais eu. Ils sont tellement bons. Je me disais, et si on partageait? Partageons. Oh oui. Un pour moi et un pour toi. Froggy aussi y a le droit. Monsieur Cookie peut en avoir un autre, puisqu'on est quatre. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça qu'ils avancent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensemble, en promenade, chantant notre balade, comptons les voitures avec Papy et 6. En jouant du klaxon ici et là, compte. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Papy et 6 vont et viennent. C'est leur petite voiture rouge qui les emmène. Ils comptent les voitures qu'ils peuvent voir. Comptez jusqu'à 10, tu dois pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensemble en promenade, chantant notre balade, comptons les voitures avec Papy et 6. En jouant du klaxon ici et là, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, 10. Apprendre les contraires avec le scooter. Quel est ce bruit? Bonjour tout le monde. Bonjour, Papy. Il fait trop beau pour rester à l'intérieur. Veux-tu aller dehors? J'ai une ou deux surprises pour toi. Oui, bien sûr. Génial. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Ouvrir et fermer la porte. Dedans et dehors. Dedans et dehors. Sortons dehors et jouons. Oups, désolé. Un, deux, trois scooters. C'est la surprise. C'est une surprise. Allons faire un tour et trouvons la grande surprise. Se balader et ouvrir grand les yeux. Trouver une surprise, rien que pour nous deux. Je me demande bien quelle surprise ce sera. Il faut attendre un peu pour la découvrir. J'adore les surprises, je les trouve si amusantes. J'espère qu'elle sera spéciale et qu'elle plaira à tout le monde. J'adore les surprises, je les trouve si amusantes. J'espère qu'elle sera délicieuse, une bonne chose à manger. Je me demande bien quelle surprise ce sera. Il faut attendre un peu, attendre pour la découvrir. Papy, es-tu bientôt arrivé? Il y a beaucoup de vent. Allez, on peut y arriver. Bientôt arrivé. Montez la colline. Youpi. Oui. Maintenant, on peut descendre. C'est la grande surprise, la maison de jeu. Quelle belle surprise! Viens avec moi et jouons! Ouvrir et fermer la porte. Dehors, dedans, rentre ou sort. Du haut du toboggan, glisser jusqu'en bas. Les contraires sont partout. Les contraires. Avec eux, on joue. Hourra! 1, 2, je t'aime. 3, 4, comptez c'est merveilleux. 5, 6, mélange les chiffres. 7, 8, comptez c'est rigolo. 9, 10, jouons à nouveau. Chantons. Ouaf, 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 1, 2, 3, veux-tu compter avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10! Ouaf! Jeu de ballon. C'était super, Papy! Que peut-on faire d'autre avec un ballon? Oh, énormément de choses, Sis! On peut le faire rouler. Penche-toi vers le sol, comme si tu touchais tes orteils. Fais rouler le ballon vers ton ami. C'est comme cela qu'un ballon roule. Fais rouler le ballon vers ton ami. Roule, roule, roule. Oh non! Qu'est-il arrivé à notre ballon? Tu veux apprendre à faire rouler le ballon? Bien sûr! On fait comme ça! Fais rouler le ballon vers ton ami! Fais-le rouler vite ou doucement! Fais rouler le ballon vers ton ami! Regarde comme il roule vite! Et tu sais aussi ce qu'on peut faire avec un ballon? On peut le faire rebondir!
Oh, Monkey, on se passait le ballon. Ah bon? Oui, comme ça, on joue tous ensemble. Oh oui. Maintenant, tapons dedans. Hop par-ci, hop par-là et très rapidement, lâche le ballon et tape dedans. Hop, hop, tape dedans. Vite, vite, tape dedans. Comme cela, tape dedans. Tape dedans. Tape dans le ballon. Monkey, pourquoi as-tu fait cela? Je pensais qu'on pourrait jouer tous ensemble. Froggy aussi. Oh, Froggy. Monkey, c'est une idée géniale. On le fait rouler lentement. On le fait rebondir. Oh. On tape dans le ballon jusqu'à l'envoyer dans le ciel. Nous sommes amis, nous nous amusons. Nous jouons ensemble, tous ensemble. Viens t'amuser avec tes amis. Allez, viens, ouvre la porte. Nous allons rire, nous amuser et apprendre tout au long de la journée. Viens jouer. Découvrir la météo avec Poppy. Poppy, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, Sis, nous pouvons faire semblant que c'est le printemps. Commençons par un jeu. Imagine que le printemps est arrivé. S'il fait chaud mais qu'il pleut, quels vêtements faut-il porter? Tadam! Me voilà! Oh, Sis, n'oublie pas, nous faisons semblant que c'est le printemps et qu'il pleut. Et si tu portais ton imperméable? Le printemps est arrivé. J'ai un parapluie et un imperméable. Sauter dans les flaques, c'est tellement agréable. C'était très amusant, Papy. Quelle est la saison suivante? Eh bien, après le printemps, c'est l'été. Imagine qu'il fait très chaud et que nous allons à la plage. Et si tu mettais ton maillot de bain? D'accord. Et voilà, je suis prête pour l'été. Le soleil brille, il fait beau et chaud. Un maillot de bain, c'est tout ce qu'il me faut. Pour se rafraîchir, il suffit de plonger à la piscine ou à la plage. Vive l'été! Continuons à faire semblant. Quelle est la saison suivante? D'abord le printemps, ensuite l'été, puis l'automne, c'est ça? Tu as raison, Sis. Tu te souviens de ce qu'il se passe en automne? Il commence à faire froid et tous les arbres changent de couleur. Oh oui! C'est vraiment très joli! Tadam! Tu as raison! Je regarde les feuilles qui tombent et tourbillonnent. Est-ce cette saison qu'on appelle l'automne? Sautons dans les feuilles et rions de bon cœur. Voici l'automne. Ces couleurs! Papy, c'est bien l'hiver qui vient après l'automne? Oui, c'est bien ça! Je sais ce que je vais porter cet hiver! Parfait! Habillons-nous et allons jouer dans la neige! Pour de bon! Nous sommes si contents lorsqu'il neige, les doux flocons tourbillonnent! On étouffle dans des vêtements douillés! Youpi! C'est l'hiver! Hiver, printemps, été, automne. Voici les quatre saisons. Comme la météo peut toujours changer. Enfile de bons vêtements et souris à pleines dents. C'est l'heure d'apprendre notre alphabet. Peux-tu chanter avec nous, Monkey? C'est l'heure d'apprendre notre alphabet.
histoire rigolote. C'était chouette. Oui. Et maintenant, papy? C'est l'heure de lire une histoire. Allons lire un livre. Lire, c'est tellement bien. C'est l'heure de lire. Allez, viens nous rejoindre. Coucou Monkey, prêt pour une histoire? D'abord, il faut trouver le livre. Joue avec moi. Cherche, cherche, cherche. J'adore jouer. Est-ce que c'est le livre devant la chaise? C'est un ballon. Cherche encore. Un ballon. Est-ce que c'est le livre derrière la chaise? C'est un train. Cherche encore. Un train. Est-ce que c'est le livre là tout en haut? C'est un lapin. Cherche, tu es presque. Un lapin. Oh. Est-ce que c'est le livre là tout en bas? Oui, c'est le livre. Il se trouve bien là. On l'a trouvé! Oui. Merci, Monkey. C'était chouette. C'est l'heure de lire une histoire tous ensemble. Attends, où est Froggy? La lecture, c'est un bon moyen de partager plein de choses avec ses copains. Ensemble, on pourra revivre toutes les histoires du livre. Quelle est ton histoire préférée? Chut. Un, deux, je mets mes chaussures. Trois, quatre, je frappe à la porte. Cinq, six, je ramasse du bois. Sept, huit, je le mets en tas. Neuf, dix, encore une fois. Oui, c'est bien. Un kangourou marron, c'est trop mignon. Un bateau triangle vert, une balle ronde violette, ouvre grand tes paupières. Avec les formes, c'est la fête. La lune blanche brille, l'étoile jaune scintille. La maison bleue est carrée. Un petit cœur rouge qui bat et qui bouge. Je t'aime. Forme et couleur, rien que pour toi. Un cercle violet et un carré bleu. Un triangle vert. Tu en as plein les yeux. Allons à la ferme. Papy, où allons-nous aujourd'hui? À la ferme. On va se promener pour aller à la ferme. Nous allons tous rencontrer les animaux qu'on aime. On va bien s'amuser à tous les observer, à les écouter et à les voir jouer. Bonjour, Ducky. Où est ta maman? Viens avec nous. On va t'aider à la retrouver.
maman n'était qui? Mais non, c'est un cochon. Mais non, c'est un mouton. La vache fait, le cochon fait, et le mouton fait. Mais il faut trouver qui fait pour trouver maman canard. Bonjour, allons faire un tour. Youhou! Nous voilà! Les roues de la voiture tournent, 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 tournent. Les roues de la voiture tournent, tournent à travers la ville. Les amis dans la voiture se baladent, se baladent, se baladent. Les amis dans la voiture se baladent à travers la ville. Le klaxon de la voiture fait bip, 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 bip. Bip, bip. Le klaxon de la voiture fait bip 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 à travers la ville. Les portes de la voiture s'ouvrent et se ferment, s'ouvrent et se ferment, s'ouvrent et se ferment. Les portes de la voiture s'ouvrent et se ferment à travers la ville. C'était rigolo. Au revoir et à bientôt. La petite araignée trottine sur la gouttière. La pluie est arrivée, l'araignée est tombée. Le soleil est revenu et a tout bien séché. Et la petite araignée est de nouveau montée. Tous à bord du train des animaux. Vite à la foire aux animaux. Les animaux, je trouve ça si beau. Il y aura des petits
et des grands aussi. Et le plus grand, ce sera qui? C'est l'éléphant 6. Oh, j'espère que j'en verrai 6. Regarde et écoute, car c'est comme un zoo à la foire aux animaux. Tous à bord pour la foire aux animaux. Regarde et écoute, car c'est comme un zoo à la foire aux animaux. C'est quoi ce bruit? Regarde, 6, c'est un phoque. Tous à bord. J'aime bien le son du phoque, mais je voudrais trouver un éléphant. Regarde, écoute, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Toutes sortes d'animaux. Des grands animaux. À la foire aux animaux. Oh, c'est quoi ce bruit? C'est un lion. Mais où est l'éléphant? C'est quoi ce bruit? C'est un oiseau. Tous à bord. J'aime les lions et les oiseaux. Ce ne sont pas les plus grands. Regardez, écoute, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Éléphant, éléphant, où est le grand éléphant? À la foire aux animaux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est un éléphant. Il est si grand. Oh, Froggy, tu l'as trouvé. Et nous avons une petite surprise pour toi, 6. Oh, c'est vrai? Un bébé éléphant. À la foire aux animaux, il y avait des animaux très beaux. Un lion, un phoque et un bel oiseau. Et une maman éléphant avec son bébé. Ils étaient rigolos. On a bien regardé et bien écouté tous les animaux. Les petits et les grands. À la foire aux animaux. Quel est ton animal préféré? Bonjour, Papy. Est-ce que c'est l'heure du goûter? Bien sûr, 6. Oh, oh. Dans le frigo, c'est le désert. Dans mon bidon aussi. J'ai vraiment très faim aussi. Que doit-on faire? Oh, oh. Tot a une liste. Allons-y, 6. En route pour le marché, pour acheter des choses colorées. Chercher? Et si nous commencions par quelque chose de rouge? Regarde, 6, des pommes rouges. Les pommes sont rouges et tellement juteuses, d'une saveur si douce, croquante et délicieuse. Une pomme bien juteuse. Qu'est-il après rouge? La couleur jaune. Nous devons trouver quelque chose de jaune. Les bananes sont jaunes quand elles sont bien mûres. Les bananes sont moelleuses, c'est bon, bien sûr. Banane bien mûre. Hey, c'est trop rigolo. Quelle couleur maintenant? Est-ce que tu peux trouver quelque chose d'orange? Orange? Oh, j'ai trouvé quelque chose d'orange là-bas. Les carottes sont oranges, c'est bon à croquer. Les carottes, c'est bien pour...
Waouh! Maintenant, nous avons plein de bonnes choses pour la santé. Ben alors, on mange? Six aime les pommes toutes rouges et sucrées. Et les bananes jaunes sont tes fruits préférés. J'aime tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Nous aimons surtout grignoter des carottes, oranges, rouges. Et toi, qu'est-ce que tu aimes manger? Aujourd'hui nous allons à la plage. Aujourd'hui nous allons à la plage. Prends ton maillot, allez viens. C'est parti. À la plage ce n'est pas loin. C'est parti. N'oublie pas ton seau et ta pelle. Construisons des châteaux de sable. Aujourd'hui nous allons à la plage. Aujourd'hui nous allons à la plage. Dans l'eau, on s'éclabousse tous. Mangeons des glaces, 1, 2, 3. Puffy, Monkey et 6. N'est-il pas si chouette d'être ici à la plage? À la plage. N'oublie pas de prendre ton chapeau. Nous, on l'aura. Pour te protéger du soleil. Hé, hé. En sortant de l'eau, tu verras. Une serviette moelleuse, c'est sympa. Aujourd'hui nous allons à la plage. Aujourd'hui nous allons à la plage. Dans l'eau on s'éclabousse tous. Mangeons des glaces, 1, 2, 3. Puffy, Monkey et 6. N'est-il pas si chouette d'être ici à la plage? À la plage. Aujourd'hui nous allons à la plage. Aujourd'hui nous allons à la plage. Aujourd'hui nous allons à la plage, tout le monde. Aujourd'hui nous allons à la plage, c'est un rêve. Aujourd'hui nous allons à la plage. Aujourd'hui nous allons à la plage. Dans l'eau on s'éclabousse tous, mangeons des glaces, 1, 2, 3. Puffy, Monkey et 6, n'est-il pas si chouette d'être ici à la plage? À la plage. Les roues de la voiture tournent et tournent et tournent à toute allure. Nous allons à la plage. Les crabes de la plage vont saluer et marcher, saluer et marcher, saluer et marcher. Les crabes de la plage vont saluer et marcher. Nous allons à la plage. Nous allons à la plage. Les sauter et nager, les dauphins à la plage vont sauter et nager. Nous allons à la plage. Nous allons à la plage. Les roues de la voiture tournent et tournent et tournent à toute allure. Nous allons à la plage. Un château de sable, c'est drôle à faire, drôle à faire, drôle à faire. Un château de sable, c'est drôle à faire. Nous allons à la plage. Voilà! Les roues de la voiture tournent et tournent, tournent aussi vite. Papy, 6 et Monkey regardent comme ils se précipitent. Sur la route de la plage, ils vont tellement s'amuser. Et sur la route, ils vont rire et chanter sous le soleil doré. Les roues de la voiture tournent et tournent et tournent à toute allure. Nous allons à la plage. Les roues de la voiture tourne et tourne et tourne à toute allure. Nous sommes en route pour rentrer. Envie de jouer avec plaisir. Avec toi j'adore jouer. Prendre le temps de s'amuser. Y a tout un monde à découvrir. Apprendre à partager. Dire je t'aime et le répéter. Je m'appelle Papy et je suis joueur. Sois mon ami et jouons en chœur.
On peut chanter et danser, courir et marcher. Soyons amis et on va s'amuser. Découvrons les animaux. Découvrons les animaux. 1, 2, 3, c'est parti. C'était une belle journée, on s'est bien amusé. On est allé au zoo pour découvrir les animaux. Éléphants et lions aussi, les écouter rugir. Des bébés phoques et des moutons, je veux encore en découvrir. Quel est cet animal? Roar, roar, roar. Quel est cet animal? Le lion rugit. Quel est cet animal? Poum, poum, poum. Quel est cet animal? C'est un éléphant. C'était une belle journée, on s'est bien amusé. On est allé au zoo pour découvrir les animaux. Éléphants et lions aussi, les écouter rugir. Des bébés phoques et des moutons, je veux encore en découvrir. Quel est cet animal? Oh, oh, oh. Quel est cet animal? Un bébé phoque. Quel est cet animal? Bé, bé, bé. Quel est cet animal? C'est un mouton. C'était une belle journée, on s'est bien amusé. On est allé au zoo pour découvrir les animaux. Éléphants et lions aussi, les écouter rugir. Des bébés phoques et des moutons, je veux encore en découvrir. Et maintenant voyons ça. Quel est l'animal qui crie comme ça? Et maintenant voyons ça. Quel est l'animal qui crie comme ça? Et maintenant voyons ça. Faisons le cri de l'animal. Et maintenant voyons ça. Faisons le cri de l'animal. C'était une belle journée, on s'est bien amusé. On est allé au zoo pour découvrir les animaux. Éléphants et lions aussi, les écouter rugir. Des bébés phoques et des moutons, le zoo est un si bel endroit. C'est la fête arc-en-ciel, remplie de joie colorée. Regarde, rouge, orange et des ballons jaunes. C'est la fête arc-en-ciel, c'est parti tout le monde. Il y a du vert, du bleu et aussi du violet. Notre fête est si colorée. Regarde tous ces ballons voler. As-tu une couleur préférée? C'est dur de se décider. La chemise de papy est bleue. Ses oreilles aussi sont bleues. Peux-tu deviner sa couleur préférée? C'est vrai, papy aime le bleu. C'est la fête arc-en-ciel, remplie de joie colorée. Regarde, rouge, orange et des ballons jaunes. C'est la fête arc-en-ciel, c'est parti tout le monde. Il y a du vert, du bleu et aussi du violet. Les nœuds de scie sont violets. Monkey aussi est violet. Mais sa couleur préférée est le jaune. Jaune comme les bananes, ouh, ouh, ouh. C'est la fête arc-en-ciel, remplie de joie colorée. Regarde, rouge, orange et des ballons jaunes. C'est la fête arc-en-ciel, c'est parti tout le monde. Il y a du vert, du bleu et aussi du violet. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. C'est la fête arc-en-ciel, remplie de joie colorée. Quelle est ta couleur préférée? C'est dur de se décider. Il y a tant de couleurs. La voiture est...
c'est propre, qui pourra, qui pourra. C'est si drôle, mais si ces pupilles sont couverts de boue, lave, lave, lave. Bain, bain, prends un bain. Pupi va donc prendre un bain, prendre un bain, prendre un bain. Frotte-toi bien et rince la boue dans le bain. Bain, bain, prends un bain. Si tu dois prendre un bain, frotte bien dans le bain. N'oublie pas de faire plouf plouf, prends un bain. Bain, bain, prends un bain, plouf plouf dans le bain. Bain, bain, prends un bain, plouf plouf et frotte bien. Tout le monde est net et propre, net et propre, net et propre. Quelle belle journée avons-nous passée. Prépare pour sortir et faire un pique-nique au soleil. Quand soudain, quel est ce bruit? Papy manque ici, c'est un orage. Pas de panique si tout va bien. Rester à l'intérieur, ça peut être chouette aussi. Que pouvons-nous faire lorsqu'il y a un orage? Restons à l'intérieur, au chaud, c'est confortable. Faisons un pique-nique, qu'il pleuve ou pas. Génial, essayons et on verra. Faisons un pique-nique, qu'il pleuve ou pas. Pique-nique dans la salle à manger loin du froid. Un, deux, sandwich pour toi. Trois, quatre, pommes et puis quoi. Cinq, six, bon bâtonnet de carottes. Sept, huit, fraises dans ton assiette. Nous aimons les pommes rouges et toi. Et des carottes oranges si bonnes pour la santé. Tes bananes jaunes sont mes préférées. Que penses-tu des sandwichs colorés? Faisons un pique-nique, qu'il pleuve ou pas. Ce sera génial, essayons et on verra. Faisons un pique-nique, qu'il pleuve ou pas. Un pique-nique dans la salle à manger loin du froid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Veux-tu qu'on le redise? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et